Il y a une centaine d'années, Néandertal, c'était un homme sage. C'était un être brutal qui survivait péniblement, qui était à peine dégrossi. Il sortait d'une humanité à peine dégrossie. Là, maintenant, on commence réellement à le considérer comme un être humain à part entière. Une fois de plus différent de nous, hein, une morphologie différente, une anatomie différente, sans doute quelques conceptions différentes, bien évidemment, mais un être humain à part entière. Ce qui fait aussi de Néandertal un être humain à part entière, c'est toute sa métaphysique et toute sa symbolique. Néandertal enterrait ses morts. Néandertal récoltait des objets curieux ou qui l'attiraient de la nature, qui devaient lui parler, qui devaient représenter du symbole.